Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à Dijon, en Bourgogne-Franche-Comté, hein, parce que c'est nouveau. Je ne vous cacherai pas tout le plaisir que j'ai d'ouvrir donc cette 11e édition de Vitagora, donc événement annuel. Alors, ça fait 10 ans que Vitagora est né. Donc un pôle de compétitivité qui n'était pas prévu finalement au programme, mais un certain nombre, on a décidé de relever le défi. Et aujourd'hui, modestement, on a fait notre chemin, on a fait notre place, on est un acteur incontournable dans l'innovation en agroalimentaire, que ce soit en France, que ce soit à l'étranger. Notre rôle, c'est donner accès aux signaux faibles, c'est éclairer sur les tendances émergentes, c'est réunir des talents pour associer les meilleures expertises, c'est chasser en meute à l'international. C'est le rôle que Vitagora joue depuis 10 ans, un rôle clé pour permettre aux innovateurs de l'agroalimentaire de prendre une longueur d'avance sur les marchés. On était 57 membres il y a 10 ans et la preuve qu'on nous a fait confiance, nous sommes aujourd'hui plus de 300 entreprises à assurer ce véritable moteur de croissance donc dans l'agroalimentaire. La montée en flèche du pôle a été reconnue par l'obtention du label Gold, label d'excellence, qui nous a été remis donc il y a un an, et c'est une reconnaissance désormais officielle dont vous êtes membres pour la plupart de Vitagora, donc on peut être fier. Et ce label Vitagora place Vitagora aux côtés des clusters les plus performants d'Europe. Mais la volonté de la direction, la volonté du comité d'orientation stratégique, c'est la transition. C'est la raison pour laquelle nous avons donc créé un accélérateur, Accelerace, qui a pour mission donc de capter les signaux faibles, d'inspirer les nouvelles tendances. Donc très vite, en écho à cela, Vitagora s'est intéressé aux enjeux et aux opportunités de la food tech. La food tech, c'est quoi ? Le commercial agricole non scientifique que je suis, je ne vais pas me lancer à vous l'expliquer, mais aujourd'hui, vous allez tout au long de cette journée avoir des talents, hein, des gens qui vont vous expliquer ce qu'est véritablement donc nos intervenants, des intervenants prestigieux dont on va parler, des intervenants compétents, donc qui vont faire mieux que moi de vous expliquer la food tech. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'un bouleversement en profondeur nous attend, osons le dire, dans tous les secteurs finalement de nos activités. C'est sûr que dans l'agroalimentaire, moi je suis dans l'agricole, agroalimentaire, on est dans une crise profonde, mais de toute manière, on va la passer cette crise, et on va la passer d'autant mieux qu'on saura innover avec Vitagora. Et on aura une formule, il faut prendre le train en marche. Alors le train en marche, je ne fais pas de politique, hein, parce qu'il y a un mouvement là qui est en marche là. Mais il est assez dynamique, hein, mais on ne fait pas de politique, mais enfin, on fera un peu de politique quand même en buvant un café tout à l'heure. Donc avec la mise en place d'Accelerace, nous parions à Vitagora sur l'accompagnement des start-up prometteuses. Nous nous adressons aux besoins des start-up, des PME, mais également des grands groupes pour faire face aux défis de la transition numérique et aux innovations de rupture dans l'agroalimentaire. Un nouveau challenge relevé par Vitagora, qui a déjà commencé par le recrutement de 15 start-up qui seront accompagnées en 2 sessions d'accélération, l'une en janvier-avril 2017 et la seconde en septembre et décembre 2017. Donc un rôle important pour capter les start-up qui sont les vraies entreprises, le développement de demain.
Donc l'agroalimentaire doit se tourner vers de nouveaux business models. La révolution du système alimentaire, ça ne concerne pas que les start-up ou les PME les plus innovantes, ça concerne bien l'ensemble des professionnels de l'agroalimentaire. Tous les acteurs de l'agroalimentaire doivent considérer les nouveaux business models pour la simple et bonne raison que tous les consommateurs changent. Mobiles, locavores, connectés, urbains, de moins en moins disponibles ou de plus en plus pressés, hein, les consommateurs bousculent leur comportement. Ils recherchent plus de praticité, de personnalisation, de proximité. Ils deviennent parfois même leurs propres producteurs et leurs propres distributeurs. Drive, circuit court, consommation collaborative, co-création. Pour l'agroalimentaire, impossible d'ignorer les nouveaux business models. Je le répète, il faut prendre le train en marche pour rester performant et répondre aux attentes des consommateurs. Il faut se renouveler. Ça, c'est ça qui est intéressant. Hein. Et quels que soient les âges, parce que Vitagora, c'est ça, c'est constamment en marche. Donc aujourd'hui, le thème que nous vous proposons, c'est le food business, renouveler vos relais de croissance. Et ça, c'est intéressant dans la conjoncture morose d'aujourd'hui. Eh bien, on va passer une journée à se projeter, hein, et pour gagner, il faut aller au bout de ses rêves. Donc c'est un peu ça que nous vous proposons aujourd'hui, une journée de réflexion pour vous inspirer, vous, professionnels de l'agroalimentaire, en ouvrant la réflexion sur cette révolution food 2.0, pour emprunter l'expression à l'un de nos intervenants de la matinée, Richard C. Delrens, de la biologie synthétique au nouveau business model, de la distribution et aux nouvelles habitudes de consommation, où se situent vos opportunités. Comment agir ? Comment se renouveler ? Les temps forts du forum, une journée qui s'articulera au terme de plusieurs temps forts. Bon, une conférence d'introduction par Laurent Marty viendra nous éclairer sur la question des nouveaux business models et leur opportunité pour l'agroalimentaire. Ce matin, cet après-midi, des conférences par des intervenants de qualité reconnus à l'international sur des sujets variés, flexitarisme. Et je sais que la personne qui va en parler est convaincue. Hein. Oh, ça, c'est un mot. Alors là, j'en saurai mieux à la fin. Hein. Mais bon, ça m'intéresse, là. Le food tech, l'impression 3D, l'international, millennials, je ne sais pas trop non plus, moi. Mais là, ce soir, à l'apéro, il y aura des interrogations écrites ce soir. Hein. Donc, comme d'habitude, tout au long de la journée, des rendez-vous d'affaires se tiendront en parallèle pour vous permettre de mener plus loin vos collaborations. Pour la première fois, mais à Vitagora, on est innovant, laissera la parole aux start-up avec 6 pitchs, 3 le matin et 3 l'après-midi. Un exercice de style et d'efficacité, nous séduire et nous convaincre du bien fondé de leurs jeunes entreprises en quelques minutes seulement. Et enfin, pour conclure cette journée riche en échanges, nous sommes très fiers de la venue de M. Chen Tang, militant et entrepreneur, un agitateur d'idées exceptionnelles au parcours saisissant, de la révolte de la place Tiananmen au premier accélérateur foodtech au monde, qui préconise la mise en place d'un environnement d'affaires propice au développement des acteurs qui ont faim du changement. Donc, vous voyez, une journée riche tout au long de la journée. Il ne me reste plus qu'à remercier tous les intervenants d'avoir répondu présent pour cet événement au programme exceptionnel. Et merci bien évidemment à l'ensemble de nos partenaires sans qui cet événement ne pourrait avoir lieu, notamment de notre partenaire, le pôle IAR, et de son président et de son directeur, avec qui une convention de partenariat sera signée dans la journée pour officialiser notre rapprochement opérationnel. Merci à tous, bonne journée, bon forum et qu'on soit en marche. Merci beaucoup Biergues.